Calme-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Oh, je vous parle. Pourquoi vous répondez pas? Qu'est-ce que vous avez dit pour la mettre dans cet état? Bah, parlez! Bon. Eh, mais attendez, mais je vous ai vu, vous, cet après-midi au cimetière. Vous y étiez, hein, c'était vous. Je la reconnais. Non, je comprends qu'elle ne veuille pas. Je peux pas l'obliger à vouloir. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, ce que j'ai dit, je peux vous le prouver. Je peux vous prouver que c'est vrai. Non, je dis juste que c'est difficile aujourd'hui de prendre le train. Ah non, 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 tu dis que ce serait mieux qu'il ne vienne pas, qu'il reste à nous attendre et qu'il n'apprenne rien de ce qui se passe ici. C'est ça que tu veux. Mais quoi? C'est ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quelque chose, tu crois? Non, mais tu crois vraiment? Tu sais, tu veux pas la croire parce qu'en fait, tu veux même pas essayer. Comment? Non, c'est ça. Mais attends, je me trompe. Mais j'ai rien dit. Ah non, non, toi, t'as rien dit. Non, j'ai rien dit, je vois même pas de quoi tu parles, j'ai rien dit, j'ai absolument rien dit. Je vois pas, je ne vois vraiment pas. Elle dit qu'elle est notre fille. Elle a les vêtements de notre fille. Et ça fait 10 ans qu'on attend. 10 ans qu'on attend et qu'on espère le moindre début de signe. Et là, toi, tu fais comme si c'était rien.